Thank you.
Hello! Pardon pour le retard! Il a fallu que je règle quelques petites choses avant de venir. Bonsoir l'épineux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la suite et fin de Children of Silent Town. J'ai travaillé mon anglais depuis. C'est très étonnant que Séphine soit pas là. Il va peut-être débouler, je ne sais pas quand. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Coucou Stitu, comment ça va? Moi, ça va. Petit week-end avant une petite semaine de vacances. Je suis débordée. Hop. Je suis débordée. Toute la semaine va être un petit peu chaud patate. J'ai tout le terrier à ranger. Plus tout le travail à faire d'ici vendredi prochain. C'est un peu chaud patate. Vraiment. Je vais essayer d'être efficace. Salut, moi c'est Fille. Je vais essayer d'être réellement efficace cette semaine parce que il y a plein de choses encore à faire avant vendredi. Combien il m'en reste de ce truc-là, Loulou? Parce que à mon avis, tu vas pas en avoir beaucoup. Tiens, t'en as 4. On en laisse un pour ton frère quand même. Tiens, bébé. Donc ouais, pas mal débordé. Aujourd'hui, je me suis reposée. Je me suis reposée devant une série que je regardais ado en fait. Netflix m'a fait ressortir mon côté un petit peu nostalgique. Donc du coup, bah, je me suis retrouvée. Oh là, je suis floue. Allô? Ça y est, la caméra, elle recommence à faire n'importe quoi. Ah, ça y est. Donc ouais, Netflix a sorti une nouvelle série récemment. Et donc c'est un remake en fait d'une série de mon enfance, adolescence. Donc du coup, je me suis remise devant. Mais d'anciennes versions. Parce qu'en fait, ils donnent les épisodes tous les samedis. Et du coup, je suis frustrée. Donc du coup, je me suis remise devant les anciens épisodes. Donc nostalgie quand tu nous tiens. Donc je me suis reposée aujourd'hui parce que cette semaine va être vraiment intense. Demain, il faut que je fasse... Bah, il faut que je range l'atelier vraiment. Ça serait bien que j'aie rangé l'atelier demain. Et que j'ai fini les travaux numériques que j'ai à faire pour vendredi. Et puis après, bah, on enchaînera le travail, quoi. J'adore la musique de fond. Bah, c'est Children of Silent Town. C'est l'OST. C'est l'OST. Voilà. Rip le focus. Ouais, bah, ça déconne à plein régime. Ça déconne à plein régime, ça déconne à plein régime. Normalement, l'adresse, ça envoie vers la playlist. Normalement. Ce jeu a des musiques, c'est pépite, hein, vraiment. Enfin, franchement, je suis agréable. Enfin, je la connaissais déjà, la musique, en fait, de ce jeu, avant de connaître le jeu en lui-même. C'est une très très belle découverte. Niveau musical, c'est une très très belle découverte, ce jeu. La patte graphique, j'adore. Mais la musique en elle-même, c'est le genre de musique que je peux mettre en fond sonore pour m'endormir ou pour faire. Bah, je pense que je vais la mettre pendant que je travaillerai là cette semaine. Voilà. Faites pas gaffe à mes cheveux, ils sont bons à laver. Mais bon, étant donné que je vais pas arrêter de courir partout la semaine prochaine, on les lavera quand on aura fini. J'ai mis ma petite capeline. J'ai reçu ma petite capeline. Bah, c'était quand? Hier? Je l'ai reçue hier, regardez. Je suis trop contente, je suis trop refaite. Bon, avec le casque, ça ressemble à rien. Voilà, comme ça me réchauffe mes épaules, en fait, à la base. C'est pour réchauffer mes épaules avec ma maladie. J'ai trouvé ça trop mignon.
Et j'ai le même... Enfin, j'ai un truc qui ressemble à un bonnet, pareil, avec des oreilles. Et une écharpe. Je mettrai ça dans mes sorties. What the fuck? Mais quoi? Bonsoir, Jeff, comment ça va? Perso, ça va aller dans ma playlist de musique pour taffer. Bah, tu peux. Je sais plus c'est quoi la playlist aussi que j'avais récupérée. Je te retrouverai peut-être... Je crois que c'est les musiques de... Enfin, certaines musiques de... Little Nightmare que j'ai mis en... Que j'ai mis en playlist... pour bosser. Little Nightmare, Children of Silent Town. Toutes ces trucs... Toutes ces playlists-là, en fait, je vais essayer de les mettre sur... sur une clé pour les mettre sur mon PC. Parce qu'en fait, ouais, ou alors sur mon téléphone, mais ça va être compliqué. Fallait clipper. De quoi? Fallait clipper avec mes oreilles. Bah, si tu veux, je les remets, hein. Regarde, fais une capture d'écran, Jeff. Ah, t'inquiète, hein, ça sera visible sur le replay. Bon, en tout cas, voilà, on finit le jeu ce soir. Parce qu'il reste 2 chapitres, hein, donc on le finit. On va faire un chapitre. On va voir si le premier chapitre est pas très long. On verra si on commence pas le 5e chapitre. On verra combien de temps le jeu me dure aujourd'hui. Je suis pas fatiguée, mais c'est de ma faute. C'est vraiment de ma faute. Je suis pas fatiguée parce que j'ai pris une boisson énergisante tard. J'avais dit que je le ferais plus, mais voilà. J'ai mes démons qui me rattrapent. Donc je suis pas fatiguée. Donc on verra. Si le jeu me dure pas hyper longtemps, je pense qu'on passera sur du BioShock. Parce que je suis assez frustrée de ce qui s'est passé mercredi. Il y a eu un bug en fait au niveau du jeu. Donc le chapitre, j'ai dû le refaire en deux. Enfin, je l'ai dû le refaire une deuxième fois. Alors que j'étais pas si loin de la fin que ça. C'est ça qui m'a frustrée encore plus. Quand je me suis rendu compte qu'en fait au final ça avait bugué et après j'avais quoi 5-10 minutes de jeu à peine, j'étais un peu frustrée. Donc du coup bah on fera, je pense que si on finit le jeu assez tôt, on repassera sur du BioShock juste pour un chapitre. Mais voilà, très contente de retrouver ce jeu, j'ai hâte de voir la fin, apparemment il y a plusieurs fins possibles. Donc bon, on en aura une, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais de ce que j'ai compris, il y a des succès, en fait, c'est il y a des succès qui sont liés aux fins. Je crois qu'il y a 3 fins différentes, et donc il y a 3 succès différents, en fait. Donc il faudra que je refasse les jeux. Mais je les referai hors ligne, hein, je les referai hors live. Et on verra, je verrai ça. En tout cas, on va pouvoir lancer le jeu. On va pouvoir lancer le jeu. Hop, j'ai mon téléphone qui est ici. J'ai pas... Ah, on va craquer des allumettes d'abord. Vous êtes habitués maintenant. On va craquer des allumettes. En tout cas, n'oubliez pas... il faut que je fasse... Jeff, si tu peux me faire un petit message dans Discord pour me rappeler qu'il faut que je fasse une annonce. Enfin, il faut que je redemande... pour qu'on ait du monde vendredi, parce qu'en fait j'ai toujours personne d'inscrit sur Phasmo et ça me gonfle. Donc si j'ai personne, j'ai une autre solution, mais faut que je sache quoi. Parce que normalement ça se joue à 4. Je crois que t'étais partant pour jouer avec moi, mais il nous reste 2 places et je crois que c'est un jeu qu'il faut faire avec le plus grand nombre possible. Chaud pour jouer. Mais je pense qu'il vaut mieux être au moins 3 ou 4, non? Je sais pas, je connais pas le jeu, hein, ça sera la première fois. Oh bah dis donc, du premier coup! En vrai, si tu te sens d'attaque, tu peux y jouer solo. Non, c'est pas le genre de jeu auquel je voudrais jouer solo. Non, je préfère y jouer avec d'autres personnes, c'est plus drôle.
Mais bon, déjà on sera deux, mais ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de monde, non? Je sais pas. Je me rends pas bien compte. Hein. Je sais pas, elle m'a refait ma frange, la coiffeuse. J'ai l'impression qu'elle est. Ou alors c'est moi quand je l'ai recoiffée. Elle est plus haute d'un côté que de l'autre. Ça dépend de quoi? Je connais pas le jeu. Enfin, je connais le jeu vite fait. J'y ai jamais joué. Donc il faut me. Va falloir m'apprendre. A4, ça peut être plus simple. Bah, c'est pour ça. Fais-moi un message pour que je redemande à des gens de venir jouer parce que, à mon avis, on sera plus à l'aise à 4. Je n'ai jamais joué. Eh ben, on apprendra ensemble. Des bons chats. Bon, on va être parti. On peut papoter en même temps, hein, pendant que je cherche les énigmes et tout ça, j'ai largement le temps de lire le chat. Et ça va être très très calme, donc on peut papoter. Hop. Donc le chat, je le mets ici. Donc ouais, n'oubliez pas, vendredi prochain, donc petit live sur Phasmophobia, normalement. Et n'oubliez pas, juste avant le lancement du jeu, sauf gros, comment dire, sauf gros problème de ma part, normalement, j'ai à peine le stress, j'ai à peine l'angoisse, je suis à peine angoissée. Tout va bien se passer. On inspire, on bloque et on expire. Tout va bien se passer. Je sais que vous serez indulgent avec moi, je sais que vous serez très compréhensif, je sais que voilà, vous allez être très très gentil avec moi, donc du coup je me fais pas trop de bile, mais c'est vrai que je suis très 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 intransigeante avec moi, donc voilà. Mais voilà, je sais que ça va bien se passer et je compte sur vous pour être présent ce jour-là. Je compte sur vous pour me soutenir un petit peu. Mais voilà, le projet de fin d'année, c'est vendredi prochain. J'ai hâte. J'ai hâte parce qu'au moins, ça sera du stress en moins une fois que ça sera passé. On est parti? Je. Alors, on va arrêter cette musique quand on aura le jeu qui sera lancé. Non, ça, c'est pas ça. Je vous laisse un petit peu la musique en attendant que ça se lance. Comment ça se fait que le jeu il se lance pas? Exécution. Annulé. Jouer. Le jeu ne se lance pas. C'est génial. On va laisser un petit peu la musique le temps de. Il est un peu long à se lancer là. Et bon, ça alors? Est-ce que tu veux te lancer? Allô le jeu.
Allô? Allez, faut se lancer maintenant le jeu. Te plaît, te plaît, te plaît, te plaît. Luna me dit qu'elle viendra si elle a une réponse positive demain ou après-demain. Une réponse positive de quoi? De quoi? Ah! Le jeu? Tu viens le jeu? Le jeu. Je sais pas, d'accord. Ça m'aide, ça m'aide. Alors, Children of Silent Town. Et au niveau du son... Son du jeu. On est où le son du jeu? Capture son du jeu. Children of Silent Town. Là. Ok. Ah, on n'a pas le jeu. Comment ça se fait? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Annulé. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça y est. Ah, ça fait du bien quand ça fonctionne. Ça gueule un peu de mon côté. Elle me dit qu'elle peut peut-être venir, mais qu'elle ne le saura que lundi ou mardi. Ah, d'accord. Bon, ça va. On n'a pas le jeu, it's a problem. Ah, le jeu. Oui, c'est ça. C'est bon, on a le jeu. Oui. Bon, allez. Alors, on en était où? Ah oui, alors... Récapitulatif, donc Children of Silent Town, un jeu point and click, un peu ambiance Tim Burton au niveau des graphismes, avec une musique extrêmement bien pensée. Nous incarnons Lucy, qui vit dans le petit village de Silentville. Ils appellent ça Silentville dans la version française, c'est très très drôle. Et donc en fait, Lucy donc habite ce petit village où il faut absolument pas crier, absolument pas chanter, absolument pas faire trop de bruit, puisqu'il y a des monstres dans la forêt entourant le village. Alors que elle, en fait, bah, elle aime beaucoup chanter avec sa maman, elle aime bien... Enfin, il y a des enfants, donc ils veulent jouer tranquillement, voilà. Et donc, du coup, en fait, si les gens font du bruit, ils se retrouvent... Attendez. Hop. Si les gens font du bruit, ils se retrouvent enlevés par donc les monstres de la forêt. On commence le jeu donc avec Lucy qui fait des drôles de rêves, des cauchemars par rapport aux monstres de la forêt. Avec aussi un petit garçon qui est porté disparu du nom de Lucas de mémoire. Et donc, bah, des enfants un peu frustrés. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Hop. Voilà. Un petit garçon au tout début qui est enlevé. On a participé à une fête du village où, bah, effectivement, on nous rappelle qu'il faut absolument respecter les règles, etc. Et en fait, après cette fête du village, notre maman a été enlevée. Donc on a exploré un peu le village, on a enquêté un petit peu sur bah, quels sont ces monstres, pourquoi la forêt est comme ça, etc. Est-ce que les gens qui ont disparu, on a essayé de les chercher. Sauf que en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que
Lucie, en fait, son père lui a demandé d'arrêter de chanter, d'arrêter de faire ce qu'elle aime faire, parce qu'il n'a pas envie de la perdre comme sa mère. Et donc Lucie a fini, enfin le dernier chapitre se termine sur Lucie qui déchire son carnet où il y avait toutes ses mélodies, toutes ses notes, tous ces trucs comme ça, de son carnet. Et les saisons ont passé avec une Lucie donc qui a arrêté de chanter et on en arrive là. La suite du jeu de Children of Silent Town, chapitre 3. Alors, on était au chapitre 3, c'est parce que la sauvegarde a eu lieu au chapitre 3 et j'ai coupé avant. Voilà, donc on en était resté là avec Lucie. Ça, c'est la fin du chapitre 3. On n'avait pas lancé le chapitre 4, c'est pour ça. Donc, qui déchire son journal et qui est malheureuse comme pas permis, en fait, parce que on lui a demandé d'arrêter de chanter. Et ça, ce sont les petites icônes de nos chants qu'on a pu débloquer et donc on va plus pouvoir les utiliser au début du chapitre suivant, chapitre 4 donc. Bichette. Il faut savoir également que donc Lucie fait des cauchemars sur les monstres, mais elle entend également ce qu'elle appelle leurs chants. Elle entend en fait des voix venant de la forêt qui ont comme si ça chantait des petites chansons dans la forêt. Et apparemment, les personnes qui entendent les voix, entendent les chants de ces monstres, sont les prochains à disparaître en fait. Donc là, on est de nouveau dans un cauchemar de Lucie, très certainement, puisque c'est un peu ce graphisme-là qu'on a quand c'est le cas. Donc, fuyons. On fuit où? On fuit quoi? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce qu'on fuit? Où on fuit? Pourquoi on fuit? Demandez de l'aide. D'accord. On continue de fuir, d'accord, très bien. Demander de l'aide. Oui, mais c'est qui tout ce petit monde-là? Parce que le mec qu'on a croisé là, j'ai pas aimé l'aide qu'il nous a apportée. Help me! Oh là! Oh, help me! Help me! Please help me! Observer. Oh là! Pourquoi elle a les cheveux blancs? Ah, c'est pas Lucie! Qu'est-ce qui se passe? Ah! 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 Je crois que le son du jeu va pas être assez fort. Je vais l'augmenter un petit peu. Les voix de la forêt, je les ai entendues la nuit dernière. Elles sont terrifiantes et mélancoliques. J'ai un truc sur mon écran, ça me gêne. Voilà. J'ai promis de ne plus poser de questions. Si seulement elle pouvait s'arrêter. Vous me dites si le jeu est trop fort, pas assez fort. Vous me dites, hein. Beagle n'est pas dans mon tiroir. Bizarre, je me demande où il est passé. Bah, tu lui as pas laissé son carton, hein, Beagle? J'ai oublié de remettre ça dans la boîte à outils du fermier, mais ça pourrait servir. J'ai obtenu un marteau. J'aimerais tellement ne pas entendre les hurlements dans la forêt. Ok. Le tibescus s'est flétri, rien n'est éternel. Ah, c'est la fameuse fleur qu'on a récupérée la dernière fois. Ok, bon, allons-y alors. On va chercher notre chat, c'est ça?
La chambre de papa, elle est fermée. C'est plus la chambre de maman et papa, c'est la chambre de papa. Papa fait des œufs au plat, trop bien. Bonjour Lucie, je prépare le petit déjeuner. Tu préfères un sandwich à la mayo ou à la confiture? Oh, pas facile, confiture. Ah papa, t'aurais pas vu Beagle, il n'a pas encore mangé. Il n'est jamais bien loin, il doit se cacher dans un tiroir. D'accord, je vais chercher un peu mieux. Où est ce chat? Ce placard fait ce qu'on attend généralement des meubles, contenir des trucs. C'est la boîte à musique de sa maman. Qu'est-ce que c'est que toutes ces caisses? Ah bah oui, il n'y avait pas autant de bordel la dernière fois. T'es là, Miguel? L'affrontement éternel entre l'ordre et le chaos se déroule ici, dans la cave. Le chaos va régner, on dirait. Donc là, il y a des bouteilles de vin. Oh, papa a laissé traîner un bouchon. Il est à moi, maintenant. Vous avez obtenu un bouchon. Je sais pas, je ramasse. Hein. Tout ce qu'il y a à ramasser, je ramasse. Donc là, il y a une grosse meule de fromage, du poisson fumé, des saucisses. Un bouchon de plus. Ok. On récupère, on récupère. Je sais pas à quoi ça va servir, mais on récupère. Une vieille faucille rouillée. Beagle! Où est ce chat? Oh, encore un bouchon. Encore un! Vous avez obtenu un bouchon. C'est l'huile de papa. Il dit que ça fonctionne pour tout, pour faire frire des légumes, lubrifier, retirer des vis. Ça paraît un peu beaucoup, mais si papa le dit, c'est que ça doit être vrai. Je préfère la confiture le matin, mais j'aime aussi la mayonnaise. Bon, alors, ce chat... Où il est passé, ce chat? Dans un tiroir? Pourtant, on a regardé dans notre commode. Bon, il n'est pas dans notre commode. Dans notre malle, peut-être? La langue de ma malle à vêtements. Bon, pas dans la malle, a priori. Une couverture supplémentaire pour quand j'ai froid. On peut aller voir dehors? Il serait dehors? Beagle! C'est le lit de Beagle, il dort partout sauf là. Bon, allons voir dehors. Je sors chercher Beagle! Oh, d'accord, ne t'éloigne pas trop, le petit déjeuner est presque prêt. Ok. Je me suis fait mal avec ma bague. Beagle, viens là, j'ai à manger. T'as pas faim? Bah, il est revenu, lui. Il était pas parti dans la forêt avec son chien. C'est pas lui. C'est pas le même que celui qui est parti dans la forêt avec son chien. Oh, le père de rouge, qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, qu'est-ce que vous faites? Le maire m'a demandé de m'occuper de cet atelier, de démonter de ce qui ne sert plus. Vous allez devenir le nouveau menuisier? Absolument pas. Est-ce que j'ai l'air du genre à me balader dans la forêt? Et puis je n'ai pas la moindre idée de comment on travaille le bois. On va faire comment sans bois pour le feu alors du coup? Mais donc, qui va nous procurer du bois? Putain, Sarah, ferme ta gueule. À chaque fois, tu fais le coup, hein. Chaque fois qu'il y a un jeu un peu comme ça, un peu narratif, tu fais le coup. Hein. À chaque fois, tu ne laisses pas parler les... Tu ne laisses pas parler les personnels. Ils trouveront quelqu'un, mais pas moi, ça c'est sûr. Papa, tu veux pas devenir le nouveau menuisier par hasard? Écoute, Lucie, j'ai beaucoup à faire et j'ai besoin d'espace. Éloigne-toi ou tu risques de te faire mal. J'aimais pas trop ce truc, mais j'aime pas non plus qu'on me jette comme ça. Ça se trouve, le chat, il est là-dedans. Pourquoi l'eau, elle coule, là? Oh, l'eau coule!
Giovanni a dû réparer les tuyaux. Il a dû oublier de l'éteindre. Et voilà, pas de gâchis. Mais qu'est-ce que... Ah. De l'eau partout. Giovanni a dit que j'aurais de l'eau à ne plus savoir quoi en faire. Mais j'espérais qu'elle sorte du robinet. Si papa voit cette catastrophe... Heureusement que le bruit couvre tout ça pour l'instant. Ah, Beagle, un vrai ninja. J'ai plus qu'à suivre ses empreintes pour le trouver. Bah ouais, mais du coup... les empreintes de Beagle s'arrêtent là. Plus je l'observe, plus cette pile me rend perplexe. Oh, Beagle! Est-ce que c'était Beagle? Il semble effrayé. Il doit avoir besoin d'aide, je dois me frayer un chemin. Peut-être que la valve peut couper l'eau. Pas moyen de la faire bouger. Ça va s'écrouler. Mieux vaut chercher un chemin plus sûr. Je dois trouver un autre passage. Je ne m'en lasse pas. Beagle ! Mon chat ! Papa m'a dit de ne pas trop m'éloigner. Je devrais l'écouter. Non ! Une niche abandonnée. Oui, mais je fais comment pour aller de l'autre côté alors? Je dois trouver un autre passage. Mais quoi? Un autre passage sans aller ailleurs? C'est un peu dur là. Ah, attendez, j'ai des bouchons. Le jet d'eau est trop puissant pour insérer le bouchon. Je dois d'abord couper l'eau. Ouais. Faut que je récupère l'huile. Papa, au secours! Perso, c'est priorité au chat. RAF du petit déjeuner, c'est clair. Obtenir une bouteille d'huile. Ah bah oui, moi de toute façon, mes chats passent avant tout, donc pourquoi ça serait pas le cas là? Alors, un petit peu d'huile sur la valve. Moi j'aurais fait... Je serais allée partout dans le village. Mon père il m'aurait cherché partout. Et j'aurais dit, bah ouais, mais le chat! La force brute ne pouvait pas actionner la valve, mais mon sens logique a résolu le problème. Donc on coupe l'eau. On met des bouchons. Le bouchon est trop petit pour le trou, ça ne va pas. Comment ça, c'est trop petit pour le trou? Le trou est bouché, merci bouchon. Par contre, faut peut-être les enfoncer, non? C'est plus sûr. C'est parfait maintenant. Parce que je sens que ça va... Ça va foutre la merde sinon. Je sens que si on ouvre, ça va faire... POP! Du beau travail. Donc là, si on ouvre, il n'y a qu'un endroit où ça coule. Ah, d'accord. Ah, mais quelle brillante idée. Ah, mais c'est trop drôle. Oh, c'est tombé de la pile. Vous avez obtenu un chiffon. Et si on met le chiffon avec le bouchon? Le bouchon est trop petit, ça va pas. Oui, mais si tu bouches avec le chiffon avant, un chiffon tout seul ne va pas faire grand chose. Bah oui, ma cocotte, mais... Ah oui, c'est clic droit, c'est vrai. Un bouchon enveloppé. Bah oui, c'était pas clic gauche, donc ça pouvait pas marcher. Scellé et sécurisé. Un petit coup de bang bang d'abord peut-être. Non, pas besoin. Si tu le dis. Ouh, joli. Est-ce que l'eau s'est arrêtée? Lucie, j'ai rien fait, c'est pas moi. Oh non, papa, s'il pense que j'ai inondé le jardin, il va se mettre en colère. Lucie, où es-tu?
Oh, bonjour, déjà au travail? Chiffon plus bouteille de vodka plus flamme et petit cocktail sympa. Ouais. Ouf. Je dois d'abord trouver Beagle, je chercherai une excuse après. Hé, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Beagle! Comment t'es arrivé là-haut? Oh, Minou! Ne me dis pas que tu ne peux plus redescendre! Oh! Tu sais, tu causerais peut-être moins d'ennuis si tu restais là-haut. Oh, mais non, Lucie, bordel! Fais descendre ce chat! Je plaisante, je vais t'aider. Je peux pas grimper là-haut. Je regarde s'il n'y a pas des vignettes dans le coin. Est-ce que quelqu'un vit ici? Ça a l'air abandonné. La porte est ouverte, peut-être que c'est le domaine des chats errants. Cette fenêtre est plus solide que les autres. Peut-être grâce à cette barre. Oh, c'est une règle. Vous avez obtenu une vignette. Faut cliquer vraiment sur n'importe quoi dans ce jeu. Ok. Quoi? Oh là! Oh! Lucie, il va falloir aller voir un psy, ma chérie. Elle a rayé les clés de sol et les notes de musique. Elle a dessiné des fleurs, des labyrinthes chelous. Un petit chien. Un gros monstre qui mange les petites filles. C'est nouveau ça. Oui, avant, il y avait la page où il y avait les notes de musique. Précisément ce dont j'ai besoin. Je peux pas la décrocher. La corde a l'air épaisse. Ah. Attends mon chaton, je vais descendre de là. J'arrive. Y a pas un truc tranchant dans le coin. De la ferraille de partout. Bon, au moins maintenant les adultes savent qu'ils doivent nettoyer. Quel bazar, la pile continue de s'agrandir. Bon, c'est pas moi qui ai laissé tout ça traîner, c'est pas ma responsabilité. T'as raison, ma fille. Des cisailles, des cisailles. Vous pourriez pas me prêter votre hache par hasard? Je suis occupée, Lucie, t'approche pas trop. À l'aide, il me faut des cisailles. Je crois que papa me cherche. Mieux vaut me dépêcher de sauver Beagle. J'ai pas trop envie qu'il découvre pourquoi il y a un trou dans le mur du jardin. Papa, t'es là? Il doit être sorti me chercher. Je ne devrais pas rester ici. Il faut sauver Beagle avant le retour de papa. Bah oui, mais ma puce, te faut quelque chose pour couper les cordes. Tous les outils pour la cheminée, ça prend de la place. On n'a pas un outil, quelque chose. Un tesson de bouteille. Pas des ciseaux, ma puce. Quelque chose pour couper. Une scie sauteuse. Je sais pas. N'importe quoi. N'importe quoi qui puisse faire office de... Je sais pas. C'est sec. À un court moment de gloire. D'accord. Monsieur, j'ai besoin de votre hache. Plus d'eau, ça a pas duré longtemps. Et si je pète une fenêtre? Je pense pas que quelqu'un s'y opposera. D'accord, ok. Très bien. J'ai réussi à libérer l'échelle. Allons sauver le chaton.
Je suis là, petit fripon. Tiens-toi tranquille ou tu devras rester ici, compris? Petit chat. Oh là! Ah! Bon bah voilà. Fin du jeu. Quoi? Oh non! Ah, pourquoi est-ce que tout tourne toujours mal? Il va descendre tout seul. Ah non, ça va. Il nous laisse pas tout seul. Ah bah bravo! Tout à fait. Bah bravo. Oh, petit père, il est trop mignon ce chat. Montrez-vous, sale gosse! Mamie! Mamie! Fais-nous descendre, mamie! Vous revenez casser des fenêtres, vous allez voir si je vous attrape! Oh, que voilà! Des années qu'il ne fait plus de pluie et voilà maintenant deux intrus bien mûrs! Descendez de mon arbre! C'est moi, je suis bloquée! Comment? Oh! Ah, je vois, je comprends, c'est un problème! Vous pouvez m'aider? Elle se marre, la vieille. la vieille se marre. C'est quand vous voulez, mamie. Je l'ai déjà vue, elle ne semblait pas si lente. Bah, elle a pris de l'âge. Je me fais plus toute jeune. Vas-y doucement, ma chère. L'échelle n'est plus toute jeune non plus. Vous pouvez m'aider, la vieille? Non. Pourquoi faire? Ah, c'est donc lui qui te cause sans arrêt des problèmes, n'est-ce pas? Je ne savais pas que quelqu'un vivait ici. Je pensais que... Ah oui, tu es juste venu casser ma tête et couper ma corde, c'est tout? Tout le monde veut s'amuser aux dépens de la vieille folle, n'est-ce pas? Je devrais faire un exemple de toi. Mais fallait bien que je descende le chat de là. Mais la fenêtre était déjà cassée, la maison avait l'air abandonnée. Premièrement, une dame ne devrait pas s'amuser avec de tels outils. Je confisquerai donc ce couteau. Putain, on m'enlève tout. On m'enlève ma musique. On m'enlève mon marteau. Vous avez perdu le marteau. Est-ce que vous vivez ici? Oh, et oui, j'avais d'ailleurs trop serré ce nœud et ne pouvais plus me servir de l'échelle. Problème réglé. Bon bah alors, et où le problème? Comment ça se fait? Allô? Ouais, c'est bon. Bon, RAF la vieille, comme dit, priorité au chat, au moins il est en sécurité, c'est ça. Bonsoir Pinocchio, comment ça va? Mon micro, il fait des trucs un peu bizarres quand même là, aujourd'hui. Bon, elle se marre. Bien, merci pour votre aide, mais je dois vraiment y aller. Pourquoi tant de hâte? Ton chat était déjà ici hier, tu sais? Bah d'accord, sale gosse. Ça va bien, merci, et toi? Ça va, ça va. Ça va, ça va. J'ai trouvé ça par terre, il a dû l'emmener avec lui. Ça t'appartient, n'est-ce pas? Ah, c'est la page du journal avec les chansons, peut-être. Sans doute. Oh, une page de mon journal. Oui, c'est à moi, mais... Comment... Tu devrais prendre meilleur soin de tes affaires. J'ai remarqué une note manquante, j'ai décidé de l'ajouter moi-même. Ouais, elle a fait la promesse à son père d'arrêter de chanter, c'est un peu chaud, hein. Mais je ne chante plus. Oh, pourquoi donc? N'aimais-tu pas chanter avec ta maman? Oui, mais j'ai dû arrêter. Papa dit que j'aurai moi aussi des ennuis si je continue. Je veux pas qu'il m'arrive la même chose. Ah, je vois, ta maman a disparu parce qu'elle chantait. Bah, c'est ce que tout le monde dit, en tout cas. Après, la pauvre gosse, elle en sait rien. Je sais pas, je pense juste qu'il est important de respecter les règles.
Les règles sont faites pour être détournées. Et une des règles interdit de chanter? Bah, une des règles interdit de faire du bruit, surtout. Non, je ne crois pas que ce soit vraiment une règle, enfin, pas que j'ai entendu. Mais tu as quand même décidé d'arrêter de chanter. Bon, très bien, ne chante plus. Si c'est ce que tu penses être pour le mieux, ne chante plus jamais. Et la note que je t'ai donnée, rends-la-moi, elle ne te servira à rien. Oh la vieille. Oh la vache. J'en ai connu des vieux, mais alors t'es comme ça. Pourquoi? Pour la jeter, elle est inutile à présent. Elle ne ferait qu'encombrer mon jardin. Et le chat qui dort. Le chat, il dort. Vous voyez, le chat, il dort. Non, je... Donner, c'est donner, reprendre, c'est du vol. Tout à fait, madame, enfin. Même si elle ne sert à... elle ne sert pas, je voudrais la garder en souvenir. Très bien. Tu peux la garder. Non, mais... Oh, la grand-mère. La grand-mère qui sait plus du tout où elle habite, quoi. Elle sait plus ce qu'elle dit. Ah, elle est jeune. Ma pauvre fenêtre, ces sales gosses sont pires que de la mauvaise herbe. Ils verront la prochaine fois une pluie de grenouilles, une meute de rats. D'accord, la grand-mère qui refait la Bible, très bien. Oh la vache. On ferait mieux d'y aller, Beagle. Ah bah oui, tu m'étonnes, elle fait peur un peu la vieille. Papa n'est pas rentré. Je sais que j'ai dit que je ne chanterai plus, mais ça me manque. Madame, avez-vous pris vos cachets? Madame, est-ce que vous avez pris vos gouttes? Parce que là, vous me faites peur, madame. Lucie? D'accord. Bah ça aura pas été long pour qu'on récupère nos chansons quand même. Hein. Lucie, où étais-tu passée? Moi, juste là, j'ai pas bougé et... Ah oui, j'ai trouvé Beagle. Je t'ai cherché dans tout le village, tu ne me mens pas, hein? Oh non, j'ai promis que j'irais pas loin et je m'y suis tenue. Avec le bazar et le bruit dans le jardin, tu m'as peut-être juste pas vue. Bah voyons. Oui, sûrement. J'ai entendu que les autres allaient jouer à cache-cache sur la plage ce soir aujourd'hui, est-ce que je peux y aller? D'accord, si je n'ai pas à te courir après ensuite. Promis. Parfait, allez, viens manger. Donc, sandwich confiture et a priori des œufs sur le plat. Pas mal comme petit-déj. En soi, elle a pas été loin. Non, c'est vrai, elle était pas loin. Elle a juste passé le mur, ça va. Tout le monde est là? Non, il manque Lucie. Attendons un peu, plus on est nombreux, mieux c'est. Je suis là, vous parliez de moi. J'ai encore un truc sur mon écran à cet endroit-là, c'est bizarre tout ça. C'est bizarre tout ça, là. Donc je nettoie mon écran. Juste chez la voisine. Ouais, c'est ça, elle a juste passé le mur, en fait. Je suis là, vous parliez de moi? Ah, salut Lucie. Tu veux jouer à cache-cache avec nous? D'accord, qui est-ce qui cherche? Moi, je veux chercher. Moi, je veux les chercher partout dans le village. La dernière fois, c'était le tour de G. Cette fois, c'est toi. Oui. Ah, je trouve jamais personne. D'accord, je m'y colle. Juste une nouvelle règle. On se cache pas dans le puits. Ok, Azur? Ah oui. Merci. Tu m'aurais jamais trouvée si je n'avais pas éternué. J'y suis restée des heures. T'es trop bête.
On a traversé tout le village à te chercher en criant ton nom. On s'est fait gronder par les adultes et t'as failli y passer la nuit. Ah bah oui, parce que s'ils ont crié, évidemment, ils se sont fait engueuler. On ne se cache pas dans des endroits bizarres, d'accord? D'accord, bon, on y va? Lucie, tu fermes les yeux et tu comptes. 1, 2... Chut. 3, 26, 34, 55... Bon, tout le monde est caché, je commence par où? Les connaissances, je vais devoir aller chercher dans tout le village. Bon, ça va, il y en a un qui est pas dur à trouver. Hein. Oh, mais je me demande bien où il est. Oh, bah mince alors. Oh là là, que c'est dur. 42, j'arrive. Jonquille les a encore taillés, je crois. Je vois pas vraiment la différence. Oh, bah mince alors. Je me demande bien où il est passé. Oh là là. Dur, dur. Meurs de rire, c'est quoi ce jeu? Salut Sandy, comment ça va? C'est Children of Salem Town. C'est trop bien comme jeu. J'adore, c'est un petit point and click assez sympa. Coucou. Père, je te vois très facilement. Ah! Je pensais pas que tu regarderais près du puits. J'ai a dit... J'ai, il a dit pas dans le puits. Il a pas dit à côté du puits. Oh, t'es pas dans le puits. Oh, j'avais pas compris. Allez, j'attends ici. Va chercher les autres. Comment ça va, Sandy? Faut que je te fasse un message. Ouais, on va, faut qu'on voit ensemble pour une date. Faut qu'on se cale un call aussi avant vendredi. Ça va et toi? Ça va. La pression, mais ça va. Faut qu'on se fasse un call avant vendredi si ça te va, si t'as un petit moment. Et il faut que je mette les bouchées doubles, surtout. Moi alors. Faut que je mette vraiment les bouchées doubles. Oh bah il y en a une là. Tu seras la dernière à ce que j'irai chercher ma pépette parce que j'aimerais bien trouver les vignettes. Je suis sûre qu'il y a des vignettes à chercher dans le village. Mais la pression, la pression. Mais sinon ça va. Alors. Dans la grange. Il y a une note. Ta-da-da. Je ne me cacherai pas deux fois au même endroit. Mais non, ça va bien se passer. Mais oui, je sais que ça va bien se passer. Mais je vais avoir beaucoup de boulot cette semaine. Et ça me stresse un peu. Très drôle. Vous avez obtenu une vignette. Mais je suis hyper contente. Je pense que je serai nettement plus détendue à partir de vendredi soir. Ok, donc là, il n'y a personne. J'ai récupéré une vignette. Que des boîtes et des papiers ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de caché dans le foin? Dans le poulailler? Le poulailler est toujours vide pendant la journée. Des outils sales et couverts de toiles d'araignée. Je veux pas en savoir plus. J'ai pas envie de transporter des fléchettes dans mes poches, ça pique. Tu m'étonnes. Une simple charrette. Personne dans le foin? Tu es en vacances, c'est ça? Oui, pendant une semaine. Oh bah oui, je me suis obligée à me prendre des vacances. Mes dernières... On a regardé avec les collègues. Mes dernières vacances, elles datent de la semaine du 5 mai. Depuis, j'ai pas pris de vacances. Bon, j'ai été arrêtée pour maladie pendant 15 jours. Mais j'ai pas pris de vacances depuis le 5 mai. C'est un truc de dingue. Je sais pas comment j'ai réussi à tenir jusque-là. Enfin, j'avais un mi-temps à l'époque. Donc c'était peut-être plus facile. Mais je sais pas comment j'ai tenu jusque-là. On peut s'appeler dans la journée quand tu veux. Alors, ça marche.
Moi, ça me va. En plus, si on s'appelle en journée et que je suis à ranger l'atelier, ça me donnera en plus... Enfin, on pourra se parler en même temps que je range et ça sera plus simple. Enfin, pour moi, ça sera plus simple. Ça me donnera une motivation supplémentaire. Tu me dis quand? Et puis, bah... Et moi, ça me va. Par contre, on m'a rendu mes... Je couperai si on m'appelle, ça marche. Moi, ça me va. Mais moi, à ce moment-là, ouais, quand on s'appellera, ça me permettra soit de ranger l'atelier, soit de travailler en même temps. Parce que, bah, pas mal de taf. Pas mal de taf qui m'attend. On peut y aller ou pas? Ouais, on peut y aller. Oh, les lapins, ils sont de retour dans leur cage! Vous avez retrouvé votre vie d'avant, hein? Oh, les pinous! Demain, je peux pas, mais mardi ou mercredi, comme tu préfères. Bah, mardi ou mercredi, comme tu veux. Moi, ça me va. J'ai pas un rendez-vous dans la semaine, là? Normalement, non. Normalement, non. Puisque le rendez-vous avec la banque, c'est dans 2 mois. Enfin, dans 1 mois et demi. Non, cette semaine, j'ai rien du tout. Cette semaine, j'ai rien du tout. C'est un rendez-vous dans 15 jours que j'ai. Mais mardi ou mercredi, oui, moi, ça me va. À ce moment-là, ce que je ferai, c'est que demain, je ferai... De toute façon, demain, il faut que je fasse le travail numérique. Et je rangerai plutôt à l'étage ou dans le couloir. Et à ce moment-là, bah, mardi ou mercredi, et bah, je ferai l'atelier. Ça marche, bah, tu me pingeras alors. Ouais, ouais, ouais. Bah, mardi, si tu veux. Comme ça, ça me permet aussi d'avancer dans l'atelier pendant que je t'ai. Ça me va. Très bien. Mardi. Quand tu veux. À l'heure que tu veux. Des matériaux divers, je crois que le fermier s'en sert pour réparer les abris des animaux. J'ai hâte d'avoir ma paye pour aller manger un petit japonais, là. Ça fait trop longtemps. Oh, une corde. Les poulets! Aller plus loin. Oh! Tirer sur la corde. Bah oui. Oh! Aïe! Ah ah! T'as peur des araignées? Je t'emmerde. C'est noté. La poulette! Ouais. Ok, ça marche pour mardi. Très bien. C'est noté pour moi aussi. Quoi? Non, j'ai plutôt peur de me faire assommer par un bol. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Oh, ça t'a pas fait flipper? Ça a marché avec G et Perle. Je devrais tester avec des cafards. Mais pas au diable. Rouge, on joue à catch-catch et je t'ai trouvé. Retourne sur la place. Oui, madame. Les poulettes. Typique de rouge, ça. Je peux récupérer la petite bébête? Il fait des blagues et laisse le bazar derrière lui. Vous avez obtenu des araignées factices. Rouge et ses pièges. Je suis à la recherche des vignettes. Hein. Je me demande s'il a un nom. Je vais l'appeler Timmy. Si tu veux ma puce. Si tu veux ma biche. Appelle-le Timmy si ça te chante. J'appelle bien les zombies, moi. On avait Thierry, Henri. Thierry, Henri. J'avais pas fait gaffe. Qui c'est qu'on avait d'autres? Jérémy. Francky. À la recherche des vignettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est caché près de chez moi? Tu as peur des araignées? Non, je t'emmerde. Merci pour le clip. J'irai le regarder à la pause. J'adore quand vous faites des clips. C'est trop drôle. Jean-Mi. Ah non, on n'avait pas de Jean-Mi. On n'avait pas de Jean-Mi, de Jean-Mi le zombie. Est-ce que ça va? Va jouer ailleurs, petite. Oh, mais je t'emmerde, papille.
Qu'est-ce que vous avez tous là à me faire chier? Plus d'eau, ça a pas duré long. Merde. Ah zut. Je suis sûre qu'il y en a un qui va s'être caché dans la cabane. Quelle chiasse. Va jouer ailleurs. Non mais ouais, je suis chez moi. Non mais hé, c'est mon jardin, papy, casse-toi. Putain. Oh, ce manque de respect. C'est mon jardin. Alors, le boulanger qui est barré. De la paille encore, mais elle a une odeur bizarre aujourd'hui. Une odeur horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là. Jörg, vraiment, bah, tu me demandes si tu veux regarder de plus près ou pas, bichette. Si je te dis regarde de plus près, fais pas la difficile, s'il te plaît. Est-ce que une trappe... Putain, j'ai mon plaid, il se met dans tout. Je fais n'importe quoi. Wouh, je suis cachée. Une trappe qui sent les pieds. Voyons où elle mène. Oh, il y a du fromage. Oh, bah d'accord. Bah, azur. Ce fromage pue, vraiment. Mais ça mène où? C'est moi ou il y a 3 météorites qui tombent sur le coin de la... Cette vallée, elle est où? C'est la première fois que je la vois. Le vent émet un sifflement en passant entre les rochers, on dirait une chanson. Vous avez obtenu une note. Ok. Et la note que la vieille elle nous a donnée, c'est sur quoi? Ah. Donc là, on n'a plus qu'une note pour les deux chansons, les deux dernières chansons. Ok. C'est beau. Bah ouais, c'est beau. Mais par contre, il y a 3 météorites dans le coin là-bas. Ça me fait un peu flipper quand même. Bah alors, Azur. Bert, c'est de là que vient l'odeur. Tu m'as trouvé. Waouh, Lucie, t'es une pro à cache-cache. Personne ne me trouve jamais ici. Bah nous, on t'a trouvé à l'odeur. Ça pourrait faire un beau fond d'écran. Vous voulez faire une capture? Vous voulez que je vous fasse une capture? J'étais prêt à y passer la journée. Difficile à croire qu'il ne t'ait jamais trouvé étant donné l'odeur. C'est quoi cet endroit? Je savais pas, même pas qu'il existait. C'est le garde-manger secret du boulanger. C'est Lucas qui me l'a montré. C'est pour ça que je suis si fort à cache-cache. Bref, tu veux du fromage fondu? Non merci, il sent la pourriture. Peut-être, mais il est délicieux. De toute façon, plus un fromage, plus meilleur il est. En tout cas, je t'ai trouvé. Ouais, tu peux le dire aux autres. Tu reviens pas? Je vais profiter du feu et terminer de cuire le fromage. À plus tard. Burke, tu dois vraiment adorer ça. Merde. Putain. C'est ça qui est un petit peu chiant avec les doubles écrans. C'est que quand je clique à l'extérieur, ça fout le bordel. Merde. Si tu peux, je veux bien. Oui, je peux. Tiens, regarde. Je peux. Hop. Alors. Comme ça. C'est du Munster. Oh bah nous on a du enfin nous dans le nord enfin moi j'ai des origines du nord et alsacienne hein, donc du coup j'ai effectivement le Munster qui coule dans mes veines mais j'ai aussi le maroilles. Fichier enregistré sous.
children. Hop. Alors, je vais vous mettre ça dans blabla, blablatage. Hop. Plus. Uploader un fichier. Bureau. Voilà. Par contre, s'il y a une grosse barre noire en dessous, vous découperez. Hein. Voilà, voilà. Attendez, je vais l'enlever. Merde. Voilà, enregistré. Voilà, hop. Allez, on y retourne. Mais le Munster, plus ça pue, mieux c'est. J'avais acheté du Munster une fois. Il puait pas, enfin, il puait, mais c'était que la croûte sur le dessus qui puait. Après, à l'intérieur, il était encore blanc, il était pas encore hyper fait. Je mangeais ça sans pain. Je mangeais ça, mais je m'étais fait des dés et je le bectais. Vous me foutez du Munster, comme ça, sur un plateau, je vous le bouffe en entier. Sans problème, quoi. Rien, c'est vite, ça valait la peine de vérifier. Bah, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah, trouvé! Mais tu te caches pas? Désolée, j'étais distraite, je regardais... Oh, un autre disparu, tu le connaissais? Non. Ah. Pourtant, c'est un tout petit village. C'est juste que je pense souvent à... Quand mon heure viendra. Mais pourquoi t'as aucune raison de penser à ça? Même si mon heure n'arrive pas, je vois pas l'intérêt de vivre ici. Oh bah d'accord. Je préférerais encore aller dans la forêt de mon plein gré que voir mes affiches de partout. Tu veux quand même jouer? T'as déjà trouvé G? Non. Non, je l'ai pas encore trouvé. D'accord, je vais rester ici un peu plus longtemps alors. Dis-moi quand tu le trouves. Bon, on n'a pas vu où il était, G d'ailleurs. Oh non, le casse-tête du démon. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Sérieusement.
Thank you.
Ce jeu qui veut ma mort. Je préfère l'énigme avec les boutons. Merci pour les GG. Merci, bonsoir Clérir, comment ça va? Merci pour les GG, vraiment. Brochette saucisse minster. Bon, ok, donc là c'est bon. De ce côté-là, ça a l'air d'être pas mal. Je vais aller leur chanter une petite chanson aux autres là. Très bien. Je peux pas m'empêcher de les observer. Les fourmis sont plus intelligentes qu'on ne pense. Elles respectent une hiérarchie complexe et sont capables de s'organiser pour entreprendre plein d'activités différentes. Regarde celle-là, elle est énorme. Si t'as un bâton, je peux te montrer comme elle est forte. Je joue à cache-cache pour l'instant. Ah, pardon, pardon, je ne peux m'empêcher de blablater. C'est intéressant, les fourmis. Oh, je te comprends, elles sont cool. Elles marchent en longue file au milieu de la place. Des fois, je les suis pour voir où elles vont. Ouais, c'est fun. Bon, faut que j'aille chercher les autres, autrement ils vont s'ennuyer. C'est vrai, j'attends ici, bonne chance. Ok. Je ne saurais donc pas ce que ça est. Je vérifie qu'il n'y a rien à faire avec les champs.
Punaise, je suis encore sortie de l'écran. Ok, donc là, il n'y a rien non plus. Donc là, il y a l'autre folle dingue, là. Bonjour. Oh, bonjour, Lucie. Tu te balades? Je cherche mes amis. On joue à cache-cache. Très bien, très bien. Amuse-toi bien, mais ne faites pas trop de bruit. Est-ce que vous avez vu quelqu'un passer? Non, Lucie. Je ne crois pas que tes amis soient dans le coin. D'accord. Amuse-toi bien. Merci. Oh, une armée de chats. Oh, encore une plus grosse armée. Oh là là, oh, trop de chats. J'adore mes chatons, ils sont si mignons, j'en adopterai bien quelques autres. Oh, mais merde. Je sors de l'écran à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai pas vu G encore. Là-bas, il y a Jonquille. Là, il y a Perle et lui, j'ai... Et Rouge. Perle, Rouge, Azur, on les a trouvés. C'est quoi? C'est Dahlia, l'autre? La petite meuf. Les ravages de la non-stérilisation des chats, c'est ça. Ouais, on n'a pas vu G, en fait. J'ai pas vu G. Ah ben si, on l'a vu. Bien sûr que si, on l'a vu. Il est dans la cabane. La sortie de l'école. Il n'y a plus personne à l'école. La vieille maîtresse de l'école. Un trou dans le mur. Quelle curieuse stratégie. Petite, tu devrais rester aussi loin que possible de cet endroit. Nous l'avons laissé faire assez de dégâts comme ça. De qui il parle? De la vieille? Ouais, il se croit fort, très bien. J'arrive, deux petites secondes, j'arrive. Thank you.
Hop, excusez-moi. Alors. C'est vraiment trop dur comme énigme, ça, par contre. Autant l'énigme des boutons, ça va, mais alors, ces énigmes de rouages qui tournent dans tous les sens... D'accord. Et est-ce que c'est l'instrument que je lui avais commandé? Il n'a pas l'air fini. Ah, Will, ce n'est pas ton genre d'abandonner un travail sans bonne raison. Mais j'ai bien peur que tu aies mérité ton sort. Bah, aucune raison de continuer d'y penser, c'est du passé et finira par être complètement foutu s'il reste ici. Je vais le prendre chez moi. Salut! Il est parti, la voie est libre. Ah, trouvé! C'est pas juste. Hein? Quoi donc? Je t'ai vu, t'as fait partir le père de Rouge. Et donc? Faire bouger les choses, c'est de la triche. Tu dois me trouver, pas détruire ma cachette. Quoi? C'est un humain, pas une planche de bois. Cette règle ne s'applique pas aux gens. T'en veux une? D'accord. Quelle violence! Les enfants sont d'une violence de nos jours. Ah oui, c'est vrai. J'ai un accoudoir pété, c'est vrai, j'avais oublié. Un de ces quatre, vous allez me voir me casser la gueule. Je l'ai fait au McDo l'autre jour, je l'ai fait. J'étais avec mon père. Et je pensais m'appuyer sur la banquette pour me relever, je me suis cassé la gueule. Hop, bam, Sarah par terre. Je me recache, ferme les yeux ou je te jure que je te frappe. Mais je vais lui dégommer sa putain de gueule à lui là. Ça va, Sasuke? Oh merde, oh oui, non mais moi c'est ça, hein. Moi, me casser la figure, c'est mon lot quotidien. Ça va, Dark Sasuke? Il veut me frapper, l'autre. Ça va pas bien, hein. Un peu trop sensible, ce gars. Sensible, c'est pas vraiment le terme que j'aurais employé, Lucie. Sensible, c'est pas le mot que j'aurais employé. C'est pas le premier mot qui me vient à l'idée, en fait.
T'as trouvé G? Oui, évidemment. Il t'attend sur la place. Parfait, on s'y retrouve. Ah non, mais elle va me dire... Ouais, non, il y est pas, connasse. Bah oui, mais je l'ai trouvé, c'est pas faux. Il s'est juste rebarré, quoi. T'avais pas réellement trouvé G, tu m'as menti. C'était si important. Je ne parlerai pas à Lucie la monteuse aujourd'hui. Demain, peut-être. Je comprends pas pourquoi elle est si fâchée. Pauvre fille, va. Bon. Allons retrouver ce petit con là. Bon, est-ce qu'il serait pas allé se planquer dans le poulailler? Non. Putain, il va s'être foutu où ce con? C'est tellement méchant entre eux, les gosses. Ah, c'est clair. Bah, surtout que, techniquement parlant, j'ai pas menti, je l'ai trouvé. C'est juste qu'il allait se replanquer, je sais pas où. Ah, mais purée, c'est pas vrai. Je sors de l'écran à chaque fois. Il est peut-être allé bouffer du fromage avec l'autre, là. On va s'occuper de Jonky, d'abord. Je la vois. Trouvez Jonky, sors de là. Jonky? Elle ne m'entend pas. Pourquoi est-ce qu'elle se couvre les oreilles? Oh là, elle doit entendre les chants de la forêt là. Jonky? Jonky a l'air terrifiée. Et je peux pas hausser la voix pour l'appeler. Ah bah oui, on peut pas crier. Jonky. Jonky. Ah, petite mère, comment on va te sortir de là? J'ai kiffé la blague que t'as faite à Dahlia, classique. Mais c'est pas une blague que j'ai voulu lui faire. Les farces, c'est vraiment ta passion. Dahlia? Oh, putain. Bah, fais la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui te fait rire? Moi, au rien, je pensais juste... Tu pensais à ta prochaine blague, je suppose. Bonne chance, Lucie. Ouais, bah, m'en falloir, parce que entre Jonky qui se bouche les oreilles et puis G qui est barré, je sais pas où... Oh, les gosses! Ah, mais merde! Je vais trop loin sur l'écran à chaque fois. Bah non, il va pas être barré au même endroit quand même. Azur, tu serais pas en train de bouffer du frometon avec G par hasard? Il va s'être mis où ce con? Bon, j'ai des araignées. J'ai des araignées. Peut-être lui faire peur comme ça. Un problème. De la vieille ferraille, rien de plus. Oh bah, il est là. G. Vas-y, t'as encore triché. Putain, il me saoule. Balance-le dans le puits, qu'on en finisse.
Ça devient ridicule. Ah oui, je suis bien d'accord. T'es dans la niche du chien, G, parce que là, on va arrêter les conneries, hein. Putain, mais il est con. Tu sais quoi, je vais fermer la porte de la... Et si je lui fermais la porte? C'est ça qui va se passer. Ça va finir comme ça. Je vais fermer la porte. Ferme la porte. Ferme la porte, Lucie. Vas-y, ferme la porte. G me bloque la route. Juste là. Allez, vas-y, mon petit gars. Va te foutre la trouille tout seul. Ah! Voilà. Te voilà, je pense que je t'ai trouvé cette fois. Burp dégueulasse. Lucie, c'est toi qui as fait ça? Oh oui, j'ai été inspirée. Il y a des claques qui se perdent, on est bien d'accord. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça doit être rouge, il va voir, il paye rien pour attendre. J'espère qu'ils vont pas se battre. Qui sait comment rouge invente tous ces trucs? Par contre, je suis bien emmerdée pour Jonquille. Parce que petite mère, elle a l'air vraiment terrifiée, terrorisée dans son coin là. Je sais pas pourquoi elle est allée se foutre près de la forêt. Rouge, je vais te... Hé, hey, j'ai quelle quantité de boue tu penses que je peux faire rentrer dans une paire de godasses? Que quoi? Ma nouvelle vanne va être parfaite. Ouais, ben... Je m'en fous, tu fais des blagues à qui tu veux, mais pas à moi, ok? C'est pas cool. Quoi? Je sais pas de quoi tu parles, mais... Pourquoi tu te crois si privilégié? Tu n'arriverais à rien sans moi. Demande aux autres si tu me crois pas, je fais tout le boulot. T'es de mauvaise humeur, hein. Lucie, c'est quoi le plus important, mon intelligence ou les muscles de G? Que... Pourquoi moi? Ouais, dis-lui, Lucie. Mais tu t'en prenais à moi tout à l'heure? Je pense que... On va le bully. À mort. Ta force, elle a aucune importance, G. La brutalité ne résout rien, G. La brute que tu es ne peut rien faire si tu n'as pas de cerveau, G. Tu es con comme un manger. Exactement, j'ai plein d'idées de vannes et la plupart n'ont pas besoin de ton aide, G. Mais je... Si tu veux plus m'aider, m'aide plus. J'ai une nouvelle idée de toute façon. Non, je veux dire, ça va. Voilà. Et une tête dans un seau d'eau, ça m'arrangerait, moi. Je disais, on a regardé un film avec ma mère hier. C'était quel film? Parce qu'on a vu plein de trucs. Je sais plus. Et je sais plus dans quel film c'était, mais il y avait un personnage qui m'horripilait. Et je disais à ma mère, il y a des gens comme ça. Ils me font tellement chier. Ils m'horripilent tellement que je rêve d'avoir une mare à côté et de leur foutre la gueule dedans. Voilà. Bienvenue dans mon monde. Mais je peux pas chanter pour que... Bah si, je peux chanter. Tout à l'heure, pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Mais des envies, ouais, de leur foutre la tête sous l'eau, à défaut de leur mettre la tête dans un mur. Bloup, 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 bloup. Ça va mieux? Maintenant, ferme ta gueule. Ah, les boutons. Oh là, trop de boutons. Thank you.
est pas mal parti, mais... Si besoin, j'ai des noms si tu veux foutre la tronche de quelqu'un dans l'eau. Non, t'inquiète, j'ai déjà des noms aussi, mais... j'ai aussi des noms, il n'y a pas de souci pour ça. J'ai plein de noms, plein de bonnes idées, plein de tout ce que tu veux, mais... J'ai juste pas la force et trop peur des conséquences derrière pour mettre mes plans à exécution. Je suis très créative quand ce qui est de faire quand il est de punir les gens ou de me venger sur des gens, je suis très très créative. Mais j'ai très peur des conséquences, donc je mets jamais mes menaces à exécution. Mais voilà. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Jonquille, c'est moi. Oh, Lucie, Dieu merci. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as l'air terrifiée. Je crois que j'ai vu quelque chose dans les arbres près de la porte. T'es sûre? Je vois que nous, rien d'autre. Pardon. Tu veux que j'aille voir? Dis-moi si tu vois un truc, mais t'approches pas trop de la porte, hein. D'accord, attends là. Tout va bien se passer, on est en plein jour. Dans les arbres près de la porte. Il n'y a rien, heureusement. Je ressens toujours quelque chose d'étrange quand je regarde la forêt. Ça me fout les jetons. T'es sûre qu'il n'y a rien, Lucie? Jonquille, j'espère qu'elle se trompait. Ah, je peux pas y aller. Bah, il y a l'air de rien avoir, ma biche. Donc, tu peux sortir. Bonne nouvelle, j'ai rien vu. Vraiment, je suis désolée, Lucie. J'ai dû m'imaginer. Écoute, ce chemin est pas rassurant. On jouera ailleurs la prochaine fois. Sors de là, maintenant. Eh ben, quelle aventure, ce cache-cache. Je suis désolée, j'étais plantée là à trembler pendant que tu... Tu dois me trouver tellement gamine. Mais non, Jonquille. Quoi? Non, je plaisantais. De nous deux, t'es clairement la plus mature. Tu nous conseilles toujours sur la bonne marche à suivre tellement que même Rouge t'écoute des fois. Et ça, c'est une sacrée prouesse. Ouais, mais je pense pas que je... Je pense pas que je fais ça parce que je suis mature. Hein? J'ai juste peur des conséquences. Jonquille, be like. Toute la nuit, je me couche terrifiée que les hurlements se glissent par ma fenêtre et m'emportent. Écoute, Jonquille. Ça va aller, t'es forte ou je te protégerai. Ça va aller, t'es forte. Les monstres n'ont aucune raison de vouloir t'enlever, ne t'inquiète pas. Non, je devrais pas. Bon, on devrait pas rester ici. Je t'attends sur la place avec les autres. D'accord. Yo, Lucie, on est tous là. On joue à autre chose? Attends-moi un moment. Je vais refaire un tour. Ok, on attend là. Je veux juste chanter une petite chanson pour Jonquille. Une tarte aux fruits rouges. Très bien. Ok. Bon. Jouons à autre chose? On peut jouer à autre chose si tu veux. Ok. C'est bon, Azur arrive. Azur qui s'est goinfré de fromage, hein, on rappelle.
Ouf, pfiou, me voilà. Juste à temps. Jouons à autre chose. Au chat, ça me va. Bon bah, jouons à chat, alors. On joue à chat avec les yeux... Ah bon? Très bien. On avait plutôt l'impression qu'on relançait une partie de cache-cache, là. Salut! On rentre à la maison! Ah non. Il n'y a que Jonky qui est rentré. Salut mercredi Adam, c'est et Dark Sasuke. Donc quoi? Donc tu as une cachette secrète pleine de fromage puant. Coupable. Mais si tu le dis aux autres, ils arrêteront pas de se moquer. Pourquoi je leur dirais une cachette secrète, c'est secret, non? Exactement. Écoute Azur. Pourquoi est-ce que tu penses que ton oncle a disparu? Je sais pas. Tout le monde dit qu'il respectait pas les règles, qu'il l'a mérité. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Il était intelligent. Il n'aurait jamais risqué sa vie comme ça. Lucas non plus. Attrape ça, Lucie. Je suis prête. Ah. Azur, rentre tout de suite. Écoute, Azur. Les voix que Lucas entendait. Ah, il est parti manger. Azur, t'es passé où? Bah, on a entendu quand même quelqu'un qui disait « rentre manger ». Lucie? Tu ferais bien de rentrer, ma poussinette, non? Bichette? Lucie? Lucie? Cette voix? Lucie? Est-ce que ça venait d'ici? Je devrais rentrer, papa va s'inquiéter. Oui. Punaise, sur le coup, ça m'a fait vraiment flipper. Oh, punaise, Lucie. 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 Reviens, Lucie. 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 Ah! Oh, la toile d'araignée au fond, punaise! Mais quel genre d'araignée fait des toiles aussi grosses? C'est pas possible! Aïe! Ça fait mal! Faut que je fasse plus attention! Ah! Qu'est-ce que... Oh! Oh, qu'ils sont mignons! Oh mon dieu, qu'ils sont mignons! Attendez, je fais une capture d'écran! Attendez, oh, ils sont trop mignons! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que vous faites? Oh non, mais ils sont trop choux! On dirait des lapins écureuils! Ils sont trop mignons! Mon dieu que c'est chou! Mon dieu que c'est mignon! Attendez deux petites secondes.
qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ta chatouille. Trop mignon. N'oublions pas que la forêt fait disparaître les gens, hein. Oh, ma poupée! Espèce de sale petit! C'est un cadeau de mon papa! Sale, je vais la récupérer. À moi! Oups. Vous avez obtenu une branche. Comment je vais la voir? Ah, le jeu qui spoil. C'est que ça. Une pousse lumineuse sort de la souche, comme c'est étrange. Cette toile est gigantesque, pardon. Oh! J'ai dû me tromper. Non, tu t'es pas trompé, ma puce. J'ai vu aussi un truc. Je peux pas partir, j'ai pas récupéré ma poupée. D'accord. Ne partons pas, alors. D'accord. Oh, sur la petite pousse lumineuse. D'accord. Ok. C'est quoi ça? Ah, je crois savoir.
D'accord. Oui, bien sûr. La plante, elle a grandi. Utiliser une chanson dans la forêt peut avoir des conséquences inattendues. Je n'abandonnerai pas, cette poupée est un cadeau précieux. Merci pour le GG. Sinon, le jeu qui passe d'un univers tout gentil à un cache-cache à... avec un cache-cache à ça, bah. Tu trouves que l'ambiance, elle fait peur là? Tu trouves que l'ambiance est un peu tendue? Moi, je trouve pas. Il y a des petits animaux et tout. Berk, il est encore plus dégoûtant éclaté au sol. Ce fruit est intact. Vous avez obtenu un fruit dégoûtant. Arc, ça colle. D'accord. Un fruit qui colle. Je l'ai vu pousser et mourir. Sale bête. Il y a des gros escargots. Une coquille géante. Est-ce que les escargots peuvent devenir si grands? Ça a l'air d'être là depuis longtemps. Est-ce que les escargots... Qu'est-ce que les escargots peuvent bien manger ici pour devenir si grands? Une très bonne question. Attendez 2 petites secondes. Ok. Il y a pire, mais l'ambiance est un peu différente, surtout l'entrée dans la forêt. Ah oui, mais là, ça va. C'est un live halloweenesque, mais ça va. On n'est pas non plus sur un... Sur une... On n'est pas sur un... Une ambiance hyper... Hyper traumatisante, là. Ce rocher est troué de part en part. On dirait un tunnel. Et si on trouvait le tunnel? On trouvait le tunnel. Et si on... On bouchait le tunnel, plutôt. Un rocher solide et inébranlable. Parce que là, ils viennent de passer de trou en trou. Perturbant. Ouais, ils passent de trou en trou. C'est un peu chiant, là. J'ai jamais vu un rocher comme celui-là. Il est plein de trous. Il est maintenu au-dessus du sol par ces étranges ronces rouges. Je les aime pas, on dirait qu'elles sont en vie. Comment ça? Tu n'aimes pas parce que elles ont l'air d'être en vie. Bah, c'est des ronces, quoi. Enfin, c'est normal.
Il est pas là le problème. Ouais. Chaque chanson a un effet unique dans la forêt. On dirait presque un rocher normal maintenant. Perturbant. Une cachette parfaite pour des serpents ou des écureuils. La lumière la frappe en plein visage. Ses yeux se sont fermés. Ça rentre bien. D'accord. Une pierre en forme de monstre à la bouche fermée. D'accord. Aider là. Donc là, il va plus que dans ces trois là. Il n'y a pas autre chose que je peux utiliser. Effrayant. Cet escargot est énorme! Vous avez obtenu un escargot géant. Oula, il est lourd!
à circonstances désespérées. J'espère que ça suffira pour boucher le trou. Ouais. Merde. Écureuil. Ouais. Truc de dingue ça. Ce trompe semble se déchirer de l'intérieur, pas très rassurant. La musique est tellement chouette ici. J'adore la musique de ce jeu. Les musiques de ce jeu, elles sont vraiment terribles. J'adore. Ce tronc vide est terrifiant. Ah oui, j'avais pas vu. J'avais pas vu que ça ressemblait à une... Je vois même pas où il mène. Bah ma bichette... Faut coincer l'écureuil, mais... Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton trou, toi? Tu pèses lourd escargot, mais pas assez. Vous avez obtenu un escargot collant. Super, l'écureuil ne pourra plus s'en servir de cachette. Plus aucune cachette. Bah si, quand même. Lucie, il y a deux cachettes. Oh!
un écureuil qui vole. Quoi? Espèce de sale petit! Un écureuil qui vole. Ah oui! Merci pour le coup de main, monsieur l'escargot géant. Vous avez obtenu une vignette. Le tricheur. Mais non, mais il triche pas, mais un escargot qui... un écureuil qui vole, enfin si. J'allais dire un écureuil qui vole, j'ai jamais vu ça, mais si, ça existe des écureuils volants. Mais pas comme ça, quoi. Pas comme ça! Reviens, sale bête! Le voilà! Arrête! Allez, Lucie, tu dois le retrouver. Lucie? Trouvé! Lucie? Qu'il fait sombre ici, je vois même pas où je marche. Oh là, il y a des toiles d'araignée partout. Qu'est-ce que... Oh! Un écureuil lapin voleur volant qui fait de la lumière, c'est particulier, c'est ça. C'était quoi ça? C'était énorme! Oh là là, je sens que ça, qu'on est sur un autre jeu là. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce qu'il est parti? Oh non, il est là. Ouais. Ok. Je vois de la lumière par là. Ça... Ça fait rien. D'accord. On dit un lapireuil. Ah, pas mal. Un lapireuil. Pas mal. Ah. 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 Ce monstre, il m'a repéré. Il faut que je sorte d'ici et vite. Vous avez obtenu un crâne. On sait toujours pas ce que ça fait, ça. Ce changement d'ambiance, c'est clair. Il s'est passé un truc, ce petit dragon. Il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. J'ai pas compris. Bonjour Dragou, du coup. J'ai pas vu, il y a eu un message. Comment ça va, Dragou? J'ai peur. Mmh.
Il y a un emplacement étrange dans le bois. Je comprends pas, c'est quoi toutes ces lianes, à quoi ça sert? J'ai pas une cloche, un truc? Qui pourrait leur faire Et tu veux pas le mettre sur toi, le crâne, ma poupinette? Vous obtenez un grappin osseux. Je vois pas en quoi ça m'aide, mais pourquoi pas? Non, là, c'est de là où on vient. Sur des cordes, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'arrête pas de tirer sur plein de cordes, mais... Où la sale bête? Elle me fatigue. Ouais.
fille, on lui chantait une petite berceuse. Ouais. Là, j'avoue que... C'est frustrant, là. C'est frustrant. Là, il y a des cordes. Là, Joker. Plus je vois même pas d'autres trucs bouger. J'aurais pour idée d'attacher un truc à une liane et puis de la bouger le temps que je fasse, mais ça marche pas en fait. Tu veux pas te casser en fait, Loulou? Ah! Putain! Ok. Est-ce que c'est une source? Ça a l'air bouché. Des débris bloquent la source. Le passage est libre et l'eau coule. Merde. D'accord. Les racines bleues flétries, perturbant, elles ont dû manquer d'eau pendant trop longtemps.
Allez, on arrose les racines. À gauche, on y a été. Non. Encore ces ronces rouges, elles encerclent une énorme plante comme si elles l'étranglaient. Bon, il est temps de faire la pause. Donc j'espère que le chapitre il va se terminer là. Dans pas longtemps. Merde. Je suis pas sûre de mon coup là. Sauf que j'ai vu un truc. On dirait une porte mais sans poignée. Juste un emplacement bizarre. J'ai pas pu récupérer ce qu'il y avait sur la fleur. Il est super proche. Les ronces se sont déplacées. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, les ronces sont trop denses. Cette liane est bien plus longue que les autres. Les ronces se sont déplacées vers le mur. Vous avez obtenu un artefact étrange. Merde. Non. Oh l'angoisse. Attendez. J'ai peur de louper une vignette en fait.
Est-ce que c'est une bouilloire? Elle a l'air si vieille et quelqu'un a dû servir de l'arbre comme refuge. D'accord. Est-ce que la porte est ouverte? C'est ouvert, je peux sortir. Ok. Oh, les écureuils, les lapins écureuils volants et luminescents. Est-ce que je suis dehors? Ah, enfin! Il y a la grosse bête! Lucie? On va devoir faire une pause quand même, hein, parce que même si le chapitre il est pas fini, on est déjà à presque 3 heures de live. Les lapireuils volants et luminescents. Papa! On va faire une pause maintenant, parce que voilà, à un moment donné, run for your life! Oui. On fait une pause, parce que là, ça fait quand même 2h50 de live, là. Je reviens, et puis bon, on va enchaîner. Enfin, on verra si on arrive à enchaîner. Finalement, c'est plus long que ça, hein, les deux derniers chapitres. Bref, hop, à tout de suite!